Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 2 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch il faudra aller en mode créatif sur Fortnite, donc pour ce faire vous changez le mode de jeu, vous allez dans découvrir, vous allez dans l'onglet jouer à votre façon et là vous cherchez le mode créatif. Ensuite vous acceptez, enfin vous le validez. Ensuite, vous appuyez sur triangle pour lancer le jeu. Pendant que le jeu se lance, vous pouvez aller dans la boutique d'objets de Fortnite, appuyer sur carré pour sélectionner le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Et ensuite, vous acceptez pour le valider. Donc, merci à tous ceux qui le font. Ça soutient à fond la chaîne. Alors ensuite, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et mettre un petit message pour le soutien dans les commentaires. Alors, quand vous êtes sur la map du mode créatif, vous allez près d'un pad. Et là, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 8, 3, 5, 7, 2, 9, 8, 0, 6, 4, 3, 9. Ensuite, vous appuyez sur terminer et vous acceptez. Donc là, vous attendez que la map se charge. Alors, je tiens à préciser que moi, j'ai fait beaucoup de glitch ces derniers temps. Donc, c'est possible que je gagne moins d'XP que vous. Donc, il faut tester. Si vous, ça vous rapporte beaucoup d'XP, ben, tant mieux. Si ça vous rapporte moins d'XP, ben, essayez un autre glitch. Alors, quand la map est chargée, ben, vous rentrez dedans. Ensuite, quand vous êtes dans la map, vous allez près de la map glitch d'XP. Ensuite, vous interagissez avec le pad. Et là, vous allez noter le code que je vais vous dire. Donc, le code, c'est 7808531999. Ensuite, vous mettez point d'interrogation V égale 25 pour la version 25. Donc mettez bien le même code que moi pour être sûr que ça fonctionne. Ensuite vous acceptez. Donc le code aussi, les codes seront bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Donc quand l'image est affichée, là vous appuyez sur triangle pour jouer en privé. Vous pouvez aussi jouer en public, mais voilà, pour pas être dérangé par d'autres joueurs, jouer le match en privé. Donc là vous attendez que le jeu se lance. Et quand le jeu va se lancer, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, mais ça peut vous rapporter très très gros. Donc on va tester ça et on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Alors là, quand vous arrivez ici, le jeu vous propose de soutenir un créateur sur Xbox, PC, PlayStation et Switch. Donc si vous voulez me soutenir, vous appuyez sur triangle et vous mettez le code SCM en majuscule ou en minuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le mettent, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Alors, maintenant, quand vous avez noté le code, vous appuyez sur option, vous allez dans le menu et vous lancez le jeu. Donc là, vous attendez d'apparaître. La réapparition est un peu longue, j'ai l'impression. Mais ça devrait pas tarder à arriver. Ok, c'est bon. Donc quand vous êtes ici, ce que vous allez faire, première chose, c'est trouver un grappin. Donc le grappin, je pense qu'il est là-bas. Donc là, vous appuyez sur OK. OK. Ah, il me met directement ici maintenant. C'est nouveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même exit. On vous appuie sur le bouton exit si ça vous amène ici. Parce que ben, d'abord, il faut faire un petit truc avant. Là, il faut chercher le grappin. Le grappin qui est... Bah je ne le trouve pas. Ah il est là-bas. Ok parfait. Il est à droite. Hop. Bon je l'avais déjà en fait. Ok vous prenez le grappin. Ensuite vous allez en face. Donc vous prenez le pad. Vous allez tout en face. Hop. Moi je rentre par la petite porte de gauche. Donc quand vous êtes ici, il est marqué Try this map. Bon vous sautez dans cette map. Enfin, comme ça vous sautez dedans. Je crois qu'il faut essayer plusieurs fois. Jusqu'à temps que ça vous téléporte. Voilà, parfait. Là, ça vous téléporte dans une salle secrète où vous allez pouvoir gagner de l'XP en illimité sans rien faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. On interagit avec le bouton. Boum. Et là, normalement, voilà, je gagne de l'XP en illimité sans rien faire. Alors, c'est pas tout parce qu'on va augmenter ce nombre d'XP.
Comme je vous l'ai dit plus précédemment, bah moi j'ai fait beaucoup de glitch d'XP, donc je gagne beaucoup moins. Mais vous tracassez pas, normalement vous allez gagner plus d'XP. Là, regardez, il y a un largage. Vous interagissez avec ce largage, ça vous donne déjà de l'XP. Après, il y en a un deuxième qui va arriver normalement. Après, je ne sais pas si on peut réinteragir avec. On va tester. Ici, il y a un deuxième objet que vous allez pouvoir réinteragir avec. Vous interagissez avec, ça vous amène ici. Au bout, bah en fait, je pense qu'il faut ramasser le cristal. Là. Non, je ne sais pas. Objet manquant. Ah voilà, en fait, il faut ramasser les cristals. Vous en ramassez plusieurs. Hein. Vous pouvez en ramasser autant que vous voulez. Est-ce que je peux en ramasser là? Ouais, je peux en ramasser là. Et là, il m'en demande combien? Il m'en demande 3. Bah, ça va, là, j'en ai 35. Donc là, vous appuyez sur carré, ça va vous donner des XP supplémentaires. On va voir si on peut réinteragir avec le largage. Oui, on peut réinteragir avec le largage et ça vous donne des XP supplémentaires en plus. Alors, si vous recevez un message qui vous dit de tester d'autres maps, vous appuyez sur rond pour annuler, sinon ça va peut-être vous envoyer dans d'autres maps, donc appuyez sur rond. Alors ensuite, quand vous avez fait ces deux glitches, vous appuyez sur le bouton vert ici pour quitter. Ensuite, vous allez descendre vers les Lamborghini qui sont juste en bas. Après, vous n'êtes peut-être pas obligé de descendre. Si vous êtes obligé de descendre, hop, donc on descend. Et en fait, on va construire jusqu'en haut de la Lamborghini jaune. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ça. Ce sera plus simple que de faire un zigzag. Vous montez directement comme ça. Vous faites une rampe au-dessus de la Lamborghini jaune. Voilà, comme ceci. Encore un, hop. Et là, ici, normalement, vous avez un petit bouton. Parfait. Vous interagissez avec. Donc là, je suis à 3000 XP. Boum, ça va me donner des XP supplémentaires, regardez. 100 par 100. Donc, c'est parfait. Alors là, quand vous avez terminé, vous appuyez sur le bouton vert, encore une fois. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous laisser tomber sur la gauche. Donc là, il y a un colis qui va arriver. Vous pouvez l'ouvrir. Je vais peut-être pas attendre qu'il tombe. Bon, en fait, si, je vais attendre qu'il tombe. Et vous allez voir, je vais l'ouvrir et ça va me donner 10 XP. Ok, donc il est bientôt là. Il faut savoir qu'il y en a aux quatre coins de la map. Là-bas, par contre, il est déjà tombé. Donc là, vous allez voir, je vais interagir avec. Donc, vous pouvez interagir avec ici aussi en illimité. Ils vont retomber en illimité. Donc, hop, on l'ouvre. Bam, ça va me donner des XP. Voilà, parfait. Ensuite, vous allez dans le coin juste ici et vous faites une petite danse, n'importe laquelle. Et normalement, ça va faire apparaître. Donc, collez-vous bien parce que j'ai l'impression que ça va marcher. Donc, collez-vous bien dans l'angle. Faites une émote. Et normalement, ça doit faire apparaître un bouton. Bon, attendez, peut-être il faut peut-être pas se coller. Ah, voilà, il fallait pas se coller. Il faut se mettre à 1 mètre ou 2 mètres de distance du mur. Ensuite, il y a un bouton qui apparaît. Vous interagissez avec. Ensuite, vous allez dans ce coin. Non, ici, dans ce coin. Regardez, là, il y a un bouton normalement. Hop, XP, vous interagissez avec et là ça va vous donner encore de l'XP, donc de plus en plus. Hein. Alors ensuite, l'avant-dernier glitch, vous retournez au spawn, donc avec le bouton exit, hop, vous allez sur les machines, Mythic Gun, au bout, vous allez tout dans le coin et dans le coin, vous collez bien le coin et là vous faites une petite émote, ça vous téléporte dans une pièce secrète, vous ouvrez les portes et vous cherchez le logo XP. Donc dès que vous le voyez, ben vous interagissez avec le logo XP, boum, ça vous donne encore des XP supplémentaires. Et là, le dernier glitch, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et plus vous faites, si vous faites tout, vous allez gagner beaucoup plus d'XP. Regardez, là, je prends 300 par 300 par seconde, donc 300 à 400 par seconde, presque 500 XP par seconde, voire même plus, hein, 500, 600, ça dépend. Donc c'est super rentable, franchement, et c'est sans rien faire. Donc le dernier parcours, c'est le dernier glitch, c'est près du bouton parcours, donc vous sautez là et vous ressautez une deuxième fois quand vous êtes sur le bouton. Ensuite, vous arrivez dans une pièce secrète, vous avancez, il y a le bouton XP juste ici, vous interagissez avec et boum, là vous allez gagner blindé d'XP sans rien faire. Donc après, vous pouvez continuer à ouvrir les colis. Je pense que les autres glitches, si vous les refaites, je sais pas si ça vous donne. Je pense que vous pouvez peut-être les tryhard en fait, en vrai, il y a peut-être moyen. Vous pouvez les faire en illimité, mais je sais pas si ça vous donnera plus d'XP. C'est possible, je ne sais pas du tout. Mais voilà, s'il faut, vous interagissez avec les colis, vous refaites tous les glitches. Ou alors, attendez deux petites secondes. Ou alors, vous restez AFK et vous gagnez des XP sans rien faire dans la map.
Donc voilà, c'est un petit glitch. Donc c'est pas un énorme glitch comme je vous ai présenté hier. Mais pour l'instant, j'en ai pas à me mettre sur la dent. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous présenter un petit glitch au cas où pour ceux qui en recherchent. Et voilà, donc c'est un petit glitch d'XP sans rien faire. C'est quand même plutôt rentable. En moins de 10 minutes, je me suis fait 60 000 XP. Et si je reste là comme ça sans rien faire, ben, peut-être que dans 10 minutes, je suis peut-être à 120 000 XP. Donc ça reste à voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.